Alors, nous avons prié,
et après, je lui dis, le Seigneur agira. Amen. Et voilà que après la dame infirmière qui rentre, qui regarde, qui dit, mais tu es vraiment encore jeune, tu vois, c'est ton premier bébé, tu souffres trop, accepte qu'on te mette péridurale. Elle dit, moi, péridurale. Les douleurs ont accéléré. Ils sont encore revenus. Péridurale, dites-moi, péridurale, non. Alléluia. Il a accouché dans le bon temps. Amen. Il est vraiment courageux. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Alors, merci Dieu. Amen. Précieux Sauveur. Tu as les filles qui veulent t'honorer, mon béni, mon Seigneur. Croire en ta parole à toi, malgré les couleurs, mon béni, mon Seigneur. Malgré les combats, mon béni, mon Père, tu seras resté. Persévérant, mon béni, mon Père, tu seras. Parce qu'il est écrit que tu accoucheras avec le cœur d'enfant, mon béni, mon Père, tu seras. Il a voulu se monter malgré les couleurs, mon béni, mon Seigneur. Bénis ma soeur, famille, mon roi. Que tu la fortifies encore davantage, mon béni, mon Père. Oh Dieu, parce qu'elle a été dans votre danger, mon béni, mon Seigneur. Soutiens-la, soutiens-toi, mon Père. Et ce, mon béni, mon Père, mon béni, mon Père, tu seras. Nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur. Prends nos gloires actuellement, pas ce soir. En combien nous résistons, Seigneur, de voir que tu as des filles comme cela, mon béni, mon Seigneur. Aussi fort, mais de malgré la douleur, malgré ce que vous voulez prendre les mains, de rester ferme et confiant en toi, mon Seigneur. Oh, que tu sois béni, Père. Tu as aussi témoigné ton amour, Père, que tu veilles sur tes enfants, toi. Louange et honneur à toi. Merci, Père. Au nom du Seigneur, sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous le remercions, notre Dieu. Il soutient réellement. Amen. Et il accorde la grâce, mon frère et ma soeur. Certainement, le monde nous manque de facilité. Mais nous voulons simplement nous approcher à ce que l'autre Dieu a dit. Amen. Et je lui ai dit, pendant que je priais, disait que le Seigneur l'a dit, je prie par rapport que l'autre douleur puisse supporter. Amen. Si c'est sa parole, cela donne sa conduite. Et quand je l'ai trouvé, je l'ai serré, j'étais tellement heureux. Alors il dit, je n'ai pas prié, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Et puis j'ai dit, maintenant tu vois ce qui se passe. C'est qu'avec ces douleurs, il y a un lien très fort entre toi et l'enfant. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'elle sait que cet enfant, je l'ai enfanté avec douleur. Amen. Je pleurais, j'ai souffert. Il s'accroche à ça. C'est ce qu'il y a qui tisse en fait des liens aussi forts. Nous remercions notre Dieu. Amen. Ce qu'un aujourd'hui encore, il agit, il accomplit, il va faire de grandes choses. Amen. Cette année 2016 est une ah oui, nous le remercions vraiment de tout notre cœur. Quand j'entends aussi que les jeunes frères, parce que le frère Daouda m'a envoyé un SMS, enfin, bon, un écrit, un email, avec le désir, la flamme dans le cœur, que tous les jeunes voudraient avoir une semaine de prière, de rester dans la présence du Seigneur, et de prier effectivement pour que le Seigneur agisse encore davantage. Il y a un réveil mouvement. Il y a une action de Dieu, effectivement, dans le cœur maintenant, où le Seigneur davantage effectivement ramener et travailler effectivement parce qu'il dit mais la parole que nous entendons, que nous recevons, nous dynamite encore davantage et nous stimule effectivement à ce que nous puissions chercher la face de Dieu. C'est vraiment, c'est vrai, comme l'Écriture le dit, c'est les temps favorables. Amen. Nous devons chercher le Seigneur et comme je l'avais dit effectivement, avec ce que nous entendons, si nous nous mettons vraiment à genoux et prier, le Saint-Esprit nous le recevons. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur suit la parole de Dieu. Amen. Et en croyant, c'est simplement question de la foi. Amen. Que si nous pouvons croire que c'est cela, ce que Dieu veut de nous, effectivement, il faut un temps qui soit favorable. Amen. Et voici, nous pouvons vraiment aussi nous tenir dans la présence du Seigneur. C'est quand même merveilleux quand on a cette soif. Amen. De se mettre à genoux, de prier son Dieu, de pouvoir soupirer, à pouvoir lui parler de tout son cœur. C'est un moment béni pour nous. Amen. Parce qu'en dehors de ce moment que nous avons dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de meilleur moment où nous pouvons arriver à voir et nous réjouir, effectivement. Nous vivons pour ça. Amen. Nous vivons pour ce Dieu et nous sommes consacrés à ce Dieu. Amen. Et nous voulons réellement les servir encore plus, davantage de tout notre cœur. Plus les jours avancent, plus aussi nous voyons réellement les tableaux, effectivement les décors se mettre en place, plus aussi le réveil se met en place. Amen. C'est cela en fait, quand nous sentons réellement cette poussée de pouvoir aller davantage dans ses bras, c'est parce que quelque chose va se passer. Amen. Il faut réellement encore plus, et Seigneur, encore aujourd'hui, pour que
ce qui va venir effectivement dans les temps à venir, que nous puissions être vraiment armés pour résister. Amen. Et ça va réellement aussi. C'est vrai que c'est la parole de Dieu qui nous donne encore la force de pouvoir résister davantage au mal, effectivement, et tenir aussi ferme, effectivement, dans les choses. Sans cette parole, effectivement, nous n'avons pas la puissance. Amen. La puissance et la force se trouvent dans la parole. Amen. Pas en moi, mais dans la parole. Amen. Et si la parole est en moi, alors j'ai. Parce que la Bible dit que, comme notre précieux frère a chanté, c'est lui qui est en moi. Amen. Donc, c'est lui qui est en vous. Donc, s'il est en moi, alors là. Alléluia. Mais s'il n'est pas en moi, c'est la grande différence. Amen. Et s'il est en moi, alors à ce moment-là, je sais que je possède toutes choses. Amen. Comme nous l'avons entendu lorsque ils ont dit à Rebecca que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Amen. C'est cela la joie, effectivement, de pouvoir voir qu'un fils de Dieu, il parle effectivement, sachant la grâce qui l'accompagne, parce qu'il est né de celui qui est l'auteur de toutes choses, de la grâce. Vous c'est ce que je pense David le disait, il pleurait, il criait cela dans le psaume au chapitre 10. Mais quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que l'homme pour que toi, tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Très, tu l'as fait de peu, mais nous ne sommes rien du tout, mode de terre, effectivement, mais il a plu à ces grands Jésus, ces dieux majestueux, qui ciel a mis les chérubins. Oui, frère et soeur, la grandeur de ces dieux, on ne peut pas arriver à pouvoir l'apprécier, parce qu'il y a les anges, les archanges, les séraphins, ainsi, donc il entoure, effectivement, comme nous l'avons vu à Sainte Écriture, il est tellement glorieux, il est tout puissant, il peut s'écrier tout ce qu'il veut. Amen. Mais regarde, il a jeté le regard sur des je ne sais pas comment expliquer, mais c'est, nous sommes dans la passée, effectivement, mais des modes de terre, effectivement, et Dieu a jeté un regard sur toi et sur moi, pour qu'il puisse réellement aussi être notre Dieu. Nous le remercions pour cette grâce. Pour ça, on peut réaliser qu'effectivement, que, pas en dehors, mais dans les choses de Dieu, lorsque un frère ou une soeur a réellement l'humilité qui est dans la Bible, pas fabriquée, effectivement, mais la véritable humilité, qu'on voit que c'est une nature qui est dans la personne, on sait que Dieu est là. Amen. Dieu n'est jamais dans le cœur de quelqu'un qui a une prétention orgueilleuse. Quand dans ton cœur, tu commences à te prendre pour quelqu'un, ou tu estimes que tu es un peu plus que, tu peux bien faire tout ce que tu peux, tu peux bien chanter, danser, sauter, mais Dieu n'est pas là. Amen. Parce que cette nature-là n'est pas de Dieu. Mais la nature de Dieu, elle est vraiment une nature tout à fait simple, naturelle, humble, effectivement, parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Et c'est cela, effectivement, la chose qui doit être dans le cœur d'un fils de Dieu. C'est vrai que, du coup, c'est un dit, mais donne pas un cœur qui s'enfle, effectivement, mais donne-moi un cœur simple. En fait. C'est cela que nous désirons, ou que le Seigneur. Oh, ceci est très important, mon frère et ma soeur. Quand l'orgueil monte, le fils, c'est dans ta pensée à toi. Je sens toi que je suis quelqu'un, Dieu n'est plus avec toi. Amen. Il se tient juste à l'extérieur parce que la place a été occupée par quelque chose d'autre, en fait. C'est comme ça. Si vous voulez savoir, il est très bien. Parce que celui qui est venu, Lucifer, aujourd'hui, était un ange qui mettait, était les sauts à la perfection. Donc, il était vraiment. Regardez, chérubin protecteur. Regardez comment il était avec des rubis, tout ça, donc, d'une beauté extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'il s'est trouvé dans son cœur? L'orgueil. Ça a commencé. Regardez, c'était une petite chose, mais vous avez vu la taille que ça a pris, effectivement. Il est passé de c'est la fin, c'est rapidement, il est venu, effectivement, aussi un Lucifer, un démon, à cause simplement de l'orgueil. Je veux être comme. Je veux qu'on voit moi. Je veux ceci, effectivement. Donc, le je veux, le je veux, le je veux, le je veux, a fait qu'il a été précipité. Donc, nous devons tirer des leçons. Amen. Être toujours attiré par les choses les plus simples. Ne cherchez jamais les grandes choses. Amen. Pas les grandes choses à pouvoir faire, effectivement. Je vais simplement être. Parce que c'est dans cette simplicité-là dans laquelle tu te trouves que Dieu va faire des grandes choses avec toi. Amen. Si vous voulez, ils ont posé la question, maître, maître de l'Église, qui est le plus grand parmi nous? Vous vous souvenez? Amen. Dans les scènes de l'Église, que c'est lui qui va être le plus grand parmi vous.
soit les serviteurs du tout. Amen. Et celui qui sait effectivement, avec autant de dévouement, effectivement, qui sait chacun de nous de tout son cœur, effectivement, alors il est le plus grand. Nous croyons que notre Dieu nous instruit notre langue et que la parole que nous recevons, elle doit trouver une place le plus profonde de notre âme. Pour que Dieu trouve réellement son compte avec nous. Il faut que nous soyons complètement vidés. Amen. Vidés de notre moi, de notre pensée. Je l'ai toujours répété ici, j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur depuis que le Seigneur m'a fait repris. Je crois que vous connaissez l'Écriture. Amen. Depuis ces jours-là, tout au long de ma vie, c'est comme si c'était hier qu'il m'a parlé. Depuis qu'il m'a dit, que nul en son cœur ne prend du mal contre son prochain. Amen. Amen. Et au plus profond de ton cœur, effectivement, que te regarde sur le yeux droit. Amen. Les yeux droits. Alors j'ai appris une leçon. Amen. Je peux voir, c'est comme je n'ai rien. Amen. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas une chose facile. Il faut la grâce de Dieu parce que l'homme combat avec les pensées. Amen. Satan, c'est ça qui crée des problèmes avec vos frères et sœurs. Parce que vous imaginez des choses. Vous pensez, on vous essaie de penser à propos de votre frère, à propos de votre soeur. Il a fait ça parce qu'il veut faire ceci. Donc, même si la pensée vient, moi je ne fais pas attention à la pensée. À ces choses dont moi je suis sûr, c'est quand le Seigneur veut. Vous savez, juste aujourd'hui, Vladimir m'a appelé. Il m'a dit, voilà, ma femme est ceci. Il dit, bon, on va prier. Et prier. Et puis, je me suis mis encore à genoux, je priais. Et j'ai une chambre en haut. Je me suis retrouvé là-bas. Et quand je priais, je me suis allongé. C'est à ce moment-là que je vois sa maman, la sœur Léa. À une certaine heure, elle me dit, frère Léa, Fanny a accouché. J'ai dit, merci Seigneur. Quelques temps après, elle monte les marches d'escalier dans la chambre où j'étais en haut. Elle dit, mais le téléphone sonné, c'est Vladimir qui te cherchait pour dire que Fanny a accouché. Amen. Le Seigneur me parlait ici. Alléluia. Elle montait les escaliers où j'étais en haut. Elle est là. L'escalier en haut. Donc, c'est pour vous dire, frère, que la grâce que Dieu nous accorde, c'est qu'il peut montrer des choses. Amen. Parler des choses. Alléluia. Parfois, je ne vous dis pas. Vous vous souvenez, nous étions ici. Nous avons, je crois que c'était la semaine passée, la présence du Seigneur était tellement dit, salut, je ne sais pas entre jeudi ou mardi, je ne sais pas ce dimanche, mais il était tellement si présent, vous souvenez, on était tellement inondé ici. J'étais dans mon bureau, je méditais, puis bon, je lisais, puis bon, voyez-vous, bon, j'étais en téléphone, et puis à ce moment, j'ai laissé la Bible, je suis sorti pour aller dans la toilette à côté, puis je suis revenu. Quand je suis revenu dans mon bureau, j'ai trouvé la Bible ouverte, et l'écriture que je devais lire était là, ouverte, et le Seigneur montrait que c'était là, là, juste là, sur mon bureau, ma Bible ouverte, effectivement, à la droite, je devais lire de là, là. Et quand je suis venu ici, je l'ai lu que c'était quelqu'un. Et la présence du Seigneur est descendue après, quand je l'ai fait ici. Juste pour vous dire que il arrive parfois que vous n'arrivez pas à pouvoir saisir une chose. Mais nous avons la grâce, parfois, de Dieu vivant. Amen. Quand je disais effectivement que il a dit que nul en son cœur ne pense du mal, je reste comme cela. Mais quand tu restes comme cela, c'est Dieu qui doit te dire. Amen. Que voilà ce qu'il a avec celui-ci. Voilà ce qu'il veut. Il peut m'accorder la grâce de pouvoir voir effectivement ce qu'il en est avec toi. Et je peux te regarder. Je reste là. Parfois, on ne sait pas, situation ceci et cela. Il m'a déjà donné la réponse depuis très longtemps. Mais il m'accorde la grâce d'observer les gens. Pour savoir les degrés spirituels de la personne. Fais le seul. J'ai toujours eu à pouvoir le dire ici. Vous pouvez aller jouer ailleurs. Amen. Mais ici, dans cette assemblée, à moins que vous soyez avec. Amen. Mais si vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, vous aurez la crainte. Amen. C'est quand Dieu vous ouvre un tout petit peu les yeux pour que vous puissiez voir. C'est là que vous pouvez comprendre pourquoi les gens ont de la haine. J'ai dit un jour à mon frère de me faire, j'ai dit, mes frères, moi, je ne te fais rien. Je ne t'ai rien.
Tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi toujours, frère, il y a ceci, je pense que tu fais ceci. Je ne fais rien contre qui. Alors, pourquoi ne pas t'occuper, toi, de ce que, si tu as quelque chose de Dieu, fais, pas de problème. Moi, je ne poursuis personne. Pourquoi toujours vers moi? Posez-vous la question. Pour quelle raison, en fait? Si Dieu n'est pas avec toi, les hommes ne vont pas s'intéresser. C'est sûr et certain. Et parce que, mais quand Dieu s'intéresse à toi, c'est sûr et certain que les hommes vont s'intéresser aussi à toi. Dans cette assemblée où vous êtes, je vous l'ai toujours dit, frères, vous pouvez partir. Dieu en verra toujours. Amen. Il faut que vous sachiez une chose, frère. Si Dieu a donné un ministère, il y aura toujours des âmes. Amen. Pour écouter cette parole-là. Ce n'est pas moi qui cherche les âmes. C'est Dieu qui cherche les âmes. Amen. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Dieu attire l'humain. Amen. Ceux qui le connaissent. Ceux qui sont de Dieu, ils viennent, ils restent, ils s'accrochent parce que Dieu leur accorde la grâce de pouvoir réaliser. Nous qui sommes là, qui sommes de Dieu, frères et sœurs, nous devons être conscients de ce que nous ne sommes pas comme les autres églises. Amen. Ne vous comparez jamais avec les autres parce que nous ne sommes pas comme les autres. Amen. Nous sommes comme Dieu nous conduit. Amen. Et si eux, Dieu le connaît, ses sens et ses doigts, qu'ils aient la raison qui avait été conduite. Mais si nous, Dieu nous conduit comme ça, nous marchons sur la conduite de ces dieux. Amen. Alors si vous réalisez que c'est vraiment Dieu, alors priez pour votre assemblée. Amen. Amen. Parce que c'est le lieu que Dieu vous a donné. Amen. Et que, okay, vous êtes que là, Dieu nous parle effectivement. Alors, serrons-nous le cou. Amen. Travaillons ensemble. Amen. Avec foi. Pour que nous puissions atteindre quoi? Le même objectif. Amen. C'est quoi? Christ en nous. Amen. L'espérance de la gloire. Amen. Nous avons. Vous savez, j'ai réalisé, je pense, c'était jeudi, mardi, je pense. Et après la prédication, vous avez remarqué que je cherchais un cantique. Le Seigneur m'a venu cela pour pouvoir chanter, je ne le sais pas. J'ai demandé, c'est nos soeurs, notre soeur qui a eu à pouvoir trouver. Vous vous souvenez encore? Amen. Vous vous souvenez des cantiques? C'était lesquels? Que Dieu te bénisse. Vous vous souvenez? Alors, quand on a chanté ces cantiques, et en sortant, on partait dans la maison. J'étais tout heureux, parce que mon bureau ici, j'ai rentré. Et voilà, madame, et de là, parce que je continuais à pouvoir chanter, là, j'étais tellement heureux. Elle me dit, mais elle me pose, est-ce que tu connais qui a composé ces cantiques? J'ai dit, bon. Elle dit, mais c'est Lise. Amen. J'ai dit, pardon? Alléluia. J'ai dit, Lise, ici, de l'Assemblée, a composé ses cantiques. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir des dons. Amen. Et parfois, on n'arrive pas à pouvoir réaliser. Amen. Et puis, il me dit, mais Mary aussi. J'ai dit, tiens, Amen. Mary Amen. A eu un cantique. Alors, j'ai dit, mais écoutez, je voudrais que vous fassiez une liste avec tous les cantiques, avec tous les noms. Je dois glorifier Dieu. Amen. Moi, je dois être reconnaissant au Seigneur pour chaque inspiration qu'il a donnée à nos enfants ici. Amen. Je vais être reconnaissant à Dieu, frère. Amen. Parce que c'est une grâce. Amen. Quand Dieu t'inspire, c'est une grâce. Amen. C'est un don que Dieu a donné pour l'Église. Et moi, je suis reconnaissant à Dieu. Amen. Et aujourd'hui encore, il inspire les tels cantiques. Par le Seigneur, nous la remercions pour, je ne sais pas comment on appelle, ceux qui ont inspiré les cantiques là, dans les recueils que nous sommes, elle de la foi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un chant de victoire, c'est qui Charles Wester. Nous le remercions pour le don Charles Wester. Nous avons lu. Amen. Parce que Dieu inspire. Amen. Et quand on entend la parole inspirée, on dit, tu es magnifique au Seigneur. Vous vous réveillez le matin comme ça, j'ai dit, oh, tu es magnifique. Amen. Et puis vois comment Dieu d'une simplicité frère inspire et agit. Alors nous voulons que ce Dieu frère agisse encore davantage. Qu'il se dise nos soeurs, même les plus âgés. Que la place même de prophétie, de vision. Nous avons besoin de ce remède, frère. Que Dieu a pris le courrier au roi des sorts. Oui, frère et soeur.
sera soin. Et Dieu nettoie parce qu'il veut le faire. Amen. Nous sommes dans le lieu où Dieu le fait. Amen. Le problème, c'est la peur que nous avons. Parce que c'est de Dieu. J'ai toujours dit, frère, ne vous occupez pas d'un frère ou d'une soeur qui va dire, oh, mais non, c'est moi qui suis ici. Amen. Je suis votre pasteur. Amen. Et c'est moi qui peux dire, c'est aussi quel est le don que vous avez. Amen. Donc si Dieu ne sait pas que la soeur que tu as côté n'est même pas spirituelle, Amen. Il va dire, oh, ce n'est pas de Dieu. Parce que lui, il ne connaît rien de Dieu. Amen. Pourquoi tu dois te fier à lui? Amen. C'est ici que tu dois venir. Amen. Voilà, pasteur, Dieu m'a donné la grâce. J'ai vu ça, est-ce que c'est de Dieu? Alors on prie et on voit. Amen. Parce que Satan, il sera quelqu'un qui est auprès de toi qui n'est pas fait pour te décourager. Peut-être que Dieu veut utiliser des songes par toi. Amen. Quand tu vas parler, oh non, moi je ne crois pas ça de Dieu. Et qu'est-ce qu'il sait d'abord de Dieu? Amen. Alors il faut que ce soit un songe qui vient de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un songe qui vient de Dieu d'après lui? Pose-lui la question. Il faut un songe biblique, biblique. C'est comme ça qu'ils sont. Hein? Un songe biblique, biblique, biblique. Oui, ok. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un songe biblique? C'est un problème. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Donc, il faut le discernement de l'esprit. Amen. Il faut les dons pour savoir effectivement que ça, c'est de Dieu ou pas. Amen. Donc, nous devons nous tenir dans cette atmosphère. Où nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, libère. J'ai toujours dit, quand le Saint-Esprit te saisit, s'il te fait secouer, t'occupe pas du voisin. Amen. Laisse-le faire. Amen. C'est le voisin qui doit faire attention. Amen. Parce que si il se prend la place de docteur, la place de Dieu pour juger, il va dire, oh, c'est pas de Dieu, alors que lui-même n'a pas les dons, lui-même ne sait même pas ce que, effectivement, il a seulement entendu parler, mais jamais expérimenté, parce que pour que tu puisses quand même réaliser ce Saint-Esprit, il faut que tu aies quelque chose de Dieu aussi en toi. Amen. La profondeur, après la profondeur. Amen. Amen. La crainte de Dieu, tu vois, lui aussi cela. Alors, c'est effectivement cela. Donc, nous devons davantage laisser le Seigneur notre Dieu, parce que c'est un Dieu d'ordre. Amen. Nous le laissons effectivement faire, et quand quelque chose n'est pas de Dieu, alors nous savons comment arriver à pouvoir prendre la personne pour l'aider à ce que qu'ils comprennent que le canal, Dieu veut l'utiliser, mais le malin s'y est profité. Alors on fait sortir ce qui est du malin pour que maintenant le canal soit entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur puisse réellement l'utiliser comme cela. Dans Luc, au chapitre 24, nous allons lire le lecteur. Et nous allons lire le chapitre 24. Le Seigneur. Il est sommeil, il est d'or. Lui qui veille sur Israël, Amen. C'est lui qui veille sur nous. Amen. Luc chapitre 24. Ah oui. Nous voulons le remercier comme nous pouvons donc. Notre Père, notre Dieu, on va te dire merci. Merci vraiment pour les dons que tu manifestes parmi nous. Merci pour l'inspiration que tu chantes les cantiques, mon Père. De prier encore pour Maître béni, d'inspirer encore davantage, Père, de faire encore beaucoup pas, que tu donnes encore des dons, dans le songe, dans les visions, que tu les mettes à ça, que tu réveilles nos frères, nos sœurs encore davantage pour s'enfoncher à toi, nos enfants aussi, mais les mêmes personnes, que tu respires encore davantage pour encore mettre au Seigneur, parce que nous voulons des cantiques inspirées, des chants venant de toi, pour l'intention, mon Père. Merci vraiment pour ce que tu fais parmi nous. Nous ne nous occupons pas ce que nous faisons, c'est nous-mêmes. Nous sommes attachés à toi pour te servir, toi, comme tu le veux. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous lisons donc dans Luc au chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 39. Voyez donc ma main et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, cela, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous.
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il me conduit jusque vers Béthanie, et enlevé les mains, il le bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient complètement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous reçoive. C'était un moment qui était très, très particulier pour moi. Ceux-là qui l'ont vraiment aimé et qui ont marché avec lui et qui ont vu effectivement comment il a été traité, maltraité, effectivement flagellé jusqu'à la crucifixion et comment réellement aussi que la lance a été réellement enfoncée. Ils ont vu comment effectivement aussi que l'eau et les sang sont sortis en fait séparés. Ils avaient la certitude que leur maître et leur seigneur était réellement mort et qu'à la croix de Golgotha, on l'a vraiment mis en spectacle. Il était là suspendu entre le ciel et la terre, effectivement. Et tous les hommes pouvaient le voir, même les passants, même le voyaient. Parce que là, même au-dessus d'écrit ici, Jésus, le roi des Juifs. Effectivement, c'était écrit, effectivement, qu'il était le roi des Juifs ainsi. Donc, tout le monde passait et le religieux s'est moqué de lui en disant, mais si tu as tué les fils de Dieu, descends de la croix et nous te croirons, effectivement. Alors, ils ont vu tout cela, effectivement, et la certitude aussi de sa mort, et ils ont eu aussi à pouvoir le constater. Alors, quelle tristesse, parce que voir que leur maître avec qui ils ont marché, qui le fortifiait, qui prenait courage quand ils pouvaient le voir, effectivement, et là, ils l'ont enlevé, il est parti, effectivement, ils étaient tous dans le découragement et la tristesse. Voilà que la Seigneur nous a écrit, effectivement, c'est de nous. Le disciple que vous connaissez qui était sur le chemin de Maïs, effectivement, et qui marchait, qui parlait, effectivement, ensemble, mais ils avaient un air tout à fait triste, effectivement, dans la situation. Les uns se réjouissaient. Et qui était comme Caïphe et tout cela, parce que quand ils l'avaient crucifié, c'était leur désir, puisque c'est Jésus qui les embêtait beaucoup. Mais comme pour eux, ils les embêtaient, pour les disciples, effectivement, ils faisaient la joie de leur cœur. Pendant que eux ils étaient dans la joie parce qu'il était crucifié, il était mort, c'est ce qu'ils désiraient. Alors, les disciples, effectivement, étaient dans la tristesse. Et voilà qu'ils marchaient, et puis bon, ils voient que quelqu'un s'approche d'eux pour avoir une conversation avec eux. Et puis il leur pose la question de savoir, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si triste? Il leur répond, il leur répondit, effectivement, mais es-tu le seul qui séjournant ce jour-ci à Jérusalem pour que tu ne saches pas ce qui est vraiment arrivé dans cette ville, effectivement. Parce que tout le monde est au courant. Tout le monde se réjouit, effectivement, et il s'envoie des cadeaux et des fleurs, effectivement, parce que si Jésus est mort, notre maître, effectivement, et notre Seigneur, il est mort, effectivement. Et la réponse qu'ils lui ont donnée, effectivement, montrait en réalité à quel point ils étaient vraiment descendus plus bas dans leur tristesse. Je pense que nous pouvons peut-être lire un tout petit peu rapidement. Ici, verset 19, Luc 24, verset 19. Ils lui répondirent ce qui est arrivé. Verset 18, pardon. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sait pas ce qui est arrivé donc ces jours-ci? Mais quoi? Leur dit-il. Et lui répondirent, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre, et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment le principal sacrificateur et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Vous savez, c'est un témoignage tout à fait touchant et triste aussi. Parce que
ils rendent témoignage de ce qu'ils ont vu, vraiment, de cet homme de Nazareth, effectivement. De ce Jésus, non. Les disciples ont dit, mais il n'était pas n'importe qui, en fait, c'était un puissant prophète, effectivement. Il dit, mais un puissant, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc ils ont dit, effectivement, de ce qu'il était réellement sur la terre, fils de l'homme. Puissant en parole, effectivement, et aussi en œuvre, en réalité, devant le peuple, effectivement, et devant Dieu aussi. Et puis il dit, et comment les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire que tous ceux que nous considérons comme étant des hommes de Dieu. Parce que, n'oubliez pas, que les sacrificateurs, c'était des Lévites, de la lignée d'Aaron. Vous vous souvenez quand même? Amen. C'est vrai. Et voilà qu'ils étaient donc établis là, c'était des gens qui servaient effectivement Dieu, parce que c'était cette lignée-là que Dieu avait choisie. Donc le peuple avait réellement confiance que, normalement, avec de tels hommes, si Dieu suscite effectivement un serviteur ou le Messie qui doit venir, mais en fait, c'est eux qui doivent nous conduire à ce que nous puissions reconnaître que c'est lui. Et voilà qu'elle a dit, mais et comment effectivement, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Lui qui était un prophète. Qui était un prophète dont Dieu a confirmé effectivement par la parole qui prêchait et les œuvres qui suivaient effectivement qu'il était un prophète. Non seulement prophète, mais le Dieu des prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, effectivement, on pouvait voir qu'en réalité, il était totalement différent parce que ce qu'il a fait, il a fait sur plus qu'un prophète. Donc là, il continue, il dit, mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici les troisième jours que ces choses se sont passées. Ils avaient une espérance. Et cette espérance, effectivement, était que lui était réellement celui qui allait délivrer Israël. En fait, leur espérance était fondée, était vraiment vraie. Mais le problème, c'est que il avait l'espérance, effectivement, dans la personne, voyant que comment Dieu agissait, effectivement, au travers de cette personne, effectivement, comment les choses se faisaient, effectivement, ils avaient une espérance aussi vraie. Mais quelque chose le manquer. Ils avaient identifié effectivement par ce qui se passait que celui-ci doit être lui. Vous avez remarqué une chose, que lorsque Philippe rencontra la dame, vous vous souvenez? Amen. Il lui a rendu un témoignage en disant, nous avons trouvé. Vous voulez qu'on le dise? Regarde. Comment Philippe arrive à toi? Bien. Verset 44. Jean 1, 44. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, vous suivez? Nous avons trouvé, vous suivez? Celui, est-ce que vous prêtez attention? Amen. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Vous avez entendu cela? Amen. Il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous avez remarqué comment est-ce que Philippe a fait sa déclaration? Il a dit, nous avons trouvé, c'est-à-dire avec vous, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. On va dire très bien, frères et sœurs, que Nathanaël n'était pas n'importe qui. Amen. Quand
Philippe a parlé ainsi à Nathanaël. Nathanaël rétorque à Philippe ainsi, il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous savez pourquoi? Parce que dans le livre de Michée, je pense que c'est ça, il parle de cette culture. Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Éphrathite, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Yep, il a bien dit, nous avons trouvé le prophète. Il a dit, nous avons trouvé celui de qui, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Il s'agit de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ah oui, il a écouté l'écriture, il a écouté effectivement les paroles de Philippe. Et puis à la fin, il conclut en disant, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors, maintenant, il pose la question, Philippe. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ah, j'aime cela, mon frère et ma soeur. Ah oui? Ah oui? C'est à ce moment-là que vraiment que Philippe, maintenant, quand il a écouté la question de cet homme, et Philippe lui répondit effectivement, verset suivant, viens toi-même et vois. Il a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? En fait, on l'a appelé Nazaréen parce qu'ils sont partis à Nazareth. Alors, lorsque Nathanaël vint, quelque chose a frappé Nathanaël. C'était quoi? Regardez bien. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et lui dit, il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Avez-vous entendu son témoignage? Un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc cet homme ici aimait la parole de Dieu. Il s'accrochait effectivement aux Écritures. Et quand le Seigneur l'a regardé avant ce temps, effectivement, quelque chose s'est passé. Parce que quand il a parlé ainsi à Nathanaël, il y a eu une explosion dans le cœur de Nathanaël. Alors, regardez bien. Et, verset 28, 48, pardon. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Parce que le témoignage qui a été rendu de lui, Nathanaël savait que c'était vrai. Alors là, il lui dit ceci. Jésus répondit, avant que Philippe t'appelle. Vous entendez ça? Avant que Philippe t'appelle. Donc, avant que Philippe ait la pensée d'aller chez Nathanaël, il dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Alléluia. Donc, si Philippe est venu vers toi, c'est quand même moi qui a poussé Philippe à venir vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, quand on est un élu de Dieu,
lorsque Dieu est quelque part et qu'il fait quelque chose, d'une manière ou d'une autre, amen, tu dois le savoir. Amen. D'une manière ou d'une autre, tu dois y être. Amen. Siméon est un exemple parfait. Amen. Alors, quand il lui a dit cela, regardez la suite, verset 9, Nathanaël répondit et lui dit, vous suivez, Rabbi, tu es le fils de Dieu, amen, tu es le roi d'Israël. Amen. Ya, 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 ya. Vous avez entendu la différence, on dit, mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. N'est-ce pas vrai? Luc 24. Ici, Nathanaël dit avec certitude que Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et vous voyez, dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Vraiment. Alléluia. Amen. Ça, c'était le signe de Messie. Amen. J'étais vu sous le figuier. Voyez-vous, frères et sœurs, les disciples de Maïs qui allaient sur le chemin, ils ont dit que nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voilà que tous le troisième jour que cela s'est passé, il est mort, il est réellement dans rien qui se passe. Il avait espérance qui était vraie. Mais il a manqué quelque chose aux frères et aux sœurs. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons être, comme je l'ai toujours à pouvoir le répéter à mon église, très, très vigilants et surtout très, très attentifs. J'aime ce que l'Écriture dit, que celui qui a des oreilles entende vraiment ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons tous des oreilles. Ce ne sont pas ces oreilles-là dont Dieu parle. Ce ne sont pas ces oreilles naturelles. Parce que ces oreilles naturelles entendent la voix naturellement comme vous l'entendez, comme tout le monde. Mais là, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit donc aux églises. Ils avaient une bonne espérance, effectivement, mais il leur manquait quelque chose. Et quand cette chose manque, effectivement, voici donc les découragements qui entrent aussi en ligne de compte. Quand le découragement entre, effectivement, alors qu'est-ce qui entre, effectivement? Le doute. Mais oui, monsieur, mais oui, madame. Quand le doute entre, effectivement, c'est l'incrédulité. Alléluia. C'est vrai. Nous espérions, mon frère et ma soeur. Donc, votre espérance était jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on observait pour voir si c'était vraiment lui. Alors, Nathanaël, effectivement, dit, mais tu es le fils du Dieu vivant. Ah, je pense que tu es le fils du Dieu vivant. Il est le roi d'Israël. Le Seigneur lui dit, mais parce que j'étais vu, que j'étais vu sous les figuiers. Ouais. Vous remarquerez que le Seigneur, quand il leur posa la question, il dit, mais quoi leur dit-il? Ils ont commencé à pouvoir réellement parler, exprimer ce qu'ils avaient à pouvoir exprimer. Oui, c'est eux-mêmes qui continuent à pouvoir dire, pour montrer jusqu'à quel point cet état, effectivement, a conduit, effectivement, au doute et aussi à l'incrédulité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Je veux que vous puissiez remarquer une chose, c'est que c'était des disciples. Et à un certain moment, ils sont arrivés à ce point où,
quand ils ont regardé les événements, la tête a tourné, et ils ont commencé à pouvoir se poser des questions, ils ont répondu. Là, je crois que quelque part, nous savons vraiment pas, c'était pas, peut-être pas la chose, effectivement, parce que regardez leur façon de pouvoir. Regardez, dans Luc 24, regardez. Verset suivant, regardez bien. Verset 21 dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Vous suivez? Mais avec tout cela, voici le troisième jour et ces choses se sont donc passées. N'est-ce pas vrai? Et puis il continue en disant, oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Donc, ces sœurs-là, ces femmes-là, ont étonné d'une manière aussi fortement, c'est-à-dire, mais nous ont vraiment fort étonnés. Vous voyez comment on dit fort étonné dans le sens que, oh, c'est tellement grandiose. Il faut te dire, mais vraiment, ils ont vraiment fortement étonné. Avec vraiment ces femmes. Est-ce qu'ils vraiment, ils sont venus nous dire. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Amen. Alors, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendus de grands matins au sépulcre. Pendant ce temps, le Seigneur les regardait. Hein. Ils écoutaient, effectivement. Donc, quand tu passes, ils font, mais ces femmes-là, vraiment. Elles nous ont vraiment étonnés. Et c'est vrai, encore, mais ils sont partis là-bas, des grands matins en plein. Nous-mêmes d'ailleurs, on n'osait même pas, mais ils sont quand même partis. Amen. Non seulement ils sont partis, mais ils viennent encore. Oh oui, Dieu sait qu'on fonde les hommes. Amen. C'est pourquoi moi je ne pense pas sur le Saint-Écriture que le message que Dieu nous a envoyé aujourd'hui a été envoyé pour tous les seuls. Amen. Amen. Pour faire des torchons, pour faire de effectivement des pas moi de quoi. Je n'ai jamais vu ça dans les Saintes Écritures. Je ne pense pas, je sais pas, mais je ne pense pas. Je pense que la parole de Dieu est venue remettre les choses à leur place. Amen. Vos fils et vos filles. Amen. Pas seulement vos fils. Non. Mais vos fils et vos filles. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Ces femmes nous ont fort été. Il est vrai qu'une femme qui n'a pas le Seigneur, la langue qu'elle a, c'est terrible. C'est vrai. Mais quand une femme reçoit vraiment Christ, c'est la crème. Amen. Frères et sœurs, si j'ai le temps, va vous monter dans les scènes d'écriture. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, dans ce message ici, quand vous allez, oh, Élie les prophètes, et femmes. Bon, écoutez, femmes. Je trouve mon truc à l'extrême même pour dire des choses qu'il ne faut même pas dire. Et alors, les sœurs dans les églises, effectivement, et les vieux, je ne sais pas moi comment, de cette manière, à cause de la peur. Aussi, vous ne croyez pas, vous n'irez pas, alors, alléluia. Et puis aussi, alléluia. Mais en fait, non, ce n'est pas des dieux. Donc, messieurs, je ne pense pas que ce soit des dieux. Et puis, tu es, quand on parle même de la soumission de la femme dans les scènes d'écriture, ce n'est pas qu'une femme, quand on a mis ça, ah, la femme doit dans la à genoux devant l'homme. Tu n'as jamais dit cela. Amen. Quand on parle de dominer, effectivement, c'est pas qu'on devient effectivement des dictateurs, c'est absolument rien. Donc on doit avoir des sentiments, mais on a l'amour parce que c'est aussi la femme qui doit hériter aussi avec toi. Elle doit hériter comme toi aussi. Parce qu'elle est donc, j'ai pas entendu la main. Mais oui, c'est vrai, c'est parce que je crois que c'est une mauvaise éducation. C'est vrai. Oui. Beaucoup de prédicateurs ont détruit ce que Dieu n'a pas dit. Ils ont dit des choses, effectivement. Et puis on a placé dans ce message les sœurs comme. Il y en a dans ces assemblées où vous trouvez un côté, il faut que ce soit les femmes, un côté les hommes.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Mais j'ai dit, mais vous faites un travail inutile. Dehors, ils vont se retrouver. Ici, chez nous, alléluia, c'est les blagues qui voient nous, ceux, là-bas, frère, ici, là-bas, alléluia, les messages, le prophète a dit, mes frères, regardez l'assemblée des prophètes. J'ai été là-bas moi-même. Je n'ai pas trouvé un côté formalité, côté femme, côté homme. Non, monsieur. Et oui, ici, était au bras d'un tabernacle, moi, oui, monsieur. Ce sont des excès inutiles que vous faites. Et ces hommes-là, vous appelez des hommes de Dieu. Parce qu'ils font une citation et puis disent, oh, ils ne vont pas au ciel. Mon frère, ma soeur, c'est pas un homme qui va te faire entrer au ciel. Ah non, il va te faire des services au ciel. Amen. Non. C'est lui qui te fait entrer au ciel, c'est le Seigneur. Amen. Ayons le temps de le voir. Mais c'est vrai. C'est absolument important. Donc, il dit, mais ils ont fort étonné. Dieu a confondu les hommes. Regardez, frère, même quand Paul partait, effectivement, on le voit le temps de tourner, effectivement, dans la Sainte Écriture. Comment réside, étant de. On a beaucoup à citer, hein. Mm-hmm. Dans le 7 et le grand, comme ça. Oh, ben, le message, c'est pas comme ça. L'homme, non, 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 monsieur, il faut qu'on mette les choses à leur juste place. Amen. La place que Dieu a donnée à chacun, frère. Amen. D'ailleurs, Dieu, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de quoi? La Sainte Écriture. Pas une épouse. Alléluia. Une épouse, c'est quand même une femme, non? Amen. Elle n'a pas besoin, parce que si Dieu me brisait, comment est-il pour une épouse? C'est quand même clair, non? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est la Bible, non? Amen. Et c'est la glorieuse. Frère, c'est vrai, non? C'est la Bible qui le dit. Donc, elle doit être honorée. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui doit être honorée. Amen. C'est quand même la Bible. Amen. Pas mépriser, mais honorer. Amen. Mais c'est la vérité, mon frère. C'est la Bible. C'est le Seigneur qui nous dans le sein. C'est qui dit. Non, il est vrai que les femmes nous ont fort étonnés. Parce que ce sont les femmes. Et le Seigneur regardait simplement. Il aime faire des choses, effectivement, pour voir comment. En fait, on reste trop dans nos habitudes. C'est ce qui est mauvais. Le Seigneur veut que nous puissions être conduits par l'esprit et dans l'esprit. Il est vrai que les femmes nous ont fort étonnés. Nous ont beau. Ah, quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, et sont venus dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ah, ils nous sont vraiment étonnés, c'est pas possible quand même que ces femmes soient venues. Et puis qu'ils sont venus encore nous raconter, mais les anges leur sont apparus. Dans ce message ici, vous ne pouvez pas rendre témoignage que l'ange du Seigneur vous est apparu. Si vous dites ça, c'est une tournée générale. C'est parce que tous ils sont les académiques. Amen. Frères et sœurs, vous devez être des gens qui croient la parole de Dieu. Amen. Ils sont des incrédules. Amen. Ma sœur, l'ange du Seigneur peut aussi te visiter. Amen. 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 Bien sûr. Amen. Ce n'est pas réservé aux hommes, ni spécialement aux prédicateurs, mais en tant que fille de Dieu, amen, l'ange du Seigneur peut aussi t'apparaître. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Alors, pour nous, si ce n'est pas vrai, qu'on arrache alors la page de Marie. Parce que là, quand même, mon frère, Marie, c'est l'ange Gabriel qui est quand même, qui se tient à la face, la parole du Dieu lui-même. Amen. Il dit, je me tiens à la présence du Seigneur. Je suis dit, mais tu es béni. Oui, monsieur. L'ange qui parle à Marie. Amen. Mais pour, et pour Joseph, c'était un leçon. Alléluia. Je ne sais pas, mais c'est comme ça, non? Amen. Il vient dans le, il parlait, n'est-ce pas vrai? Amen. Mais là, pour Marie, alléluia, il s'est donc déplacé, il est venu vers Marie. Amen. Amen. Marie, c'était pas un homme, monsieur. Non. Marie, c'était une femme, monsieur. Amen. Amen. Ah oui. C'est. Vous savez, nous devons revenir à la foi de la Bible. Amen.
les gens ont saisi la parole de Dieu, ils ont mis le mélange, ils ont mis tellement la peur dans les cœurs des gens, en mettant des dogmes qui n'ont rien à voir avec Dieu, et qui mettaient les hommes effectivement dans la prison. Mais Dieu est venu pour libérer le cœur. Amen. Et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et puis, quand il dit, mais quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés quand même au sepulcre pour vérifier. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point. Donc, si et moi, malgré ce qu'ils ont été voir là-bas, et qui n'ont pas vu, effectivement, qu'ils avaient cru que le sœur avait dit vrai, quelque chose allait changer leur vie. Sur les certains, ils ne pouvaient pas être aussi tristes comme ça. Non, pendant qu'ils parlaient, effectivement, l'homme dont les femmes ont été voir au sépulcre, et qui était ressuscité, effectivement, était là avec eux. C'est-à-dire que les témoignages de sœurs étaient un témoignage de frères. Ils les écoutaient, ils les suivaient. Elles nous ont fort étonnés, vraiment, ces femmes-là. Son cœur saignait. C'était tes disciples. Il leur manquait quelque chose. Les femmes sont parties au sépulcre avec des aromates pour pouvoir gommer effectivement le corps comme ce bois. Et le témoignage a été donc rendu qu'il n'est point ici. Vous cherchez qui ça, mais il n'est point parmi les morts, il est parmi les vivants, il est ressuscité. Allez dire à ses frères qu'il va retrouver cette vitalité. Donc, il avait fait leur moment. Donc, ils sont partis effectivement pour dire, mais ils avaient difficile de croire cela. Oh, certainement, c'est vrai, mon frère et ma soeur. Ils avaient une bonne espérance. Regardez comme ils pouvaient montrer, effectivement, nous espérions. Bon, cette espérance allait jusqu'à un point. D'abord, on observe d'abord, est-ce que c'est nous voyons que c'est Dieu, Dieu. Ah oui, mais est-ce que ce. Est-ce que vous me suivez? Et le Seigneur les observait. Puis tout d'un coup, il leur dit. Oh, oh. On les découvre. Regardez-moi. Verset 27. Alors je leur dis, oh, homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous avez remarqué? Amen. Et la Bible nous fait savoir que, en commençant, et en commençant par Moïse, vous vous souvenez du témoignage de Philippe à Nathanaël, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Ils avaient l'espérance, effectivement, sur lui. Mais il n'avait pas les écritures sur lesquelles il pouvait se reposer en rapport avec ce qu'il pouvait voir. Mon frère et ma soeur, aussi longtemps que ta foi, toi, n'a pas une écriture sur laquelle elle peut se reposer, ta foi, elle est vaine. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Oh, homme sans intelligence, dont le cœur est lent. Regardez bien, c'était les disciples, mon frère, découragés. Ils ne croyaient même plus ce qui a été dit, effectivement, par les femmes. Or, dans les saintes écritures, il leur a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses. Amen. C'était écrit. Voyez, mon frère, ma soeur, même quand vous adorez Dieu, même quand vous priez Dieu, même quand vous servez Dieu, votre foi doit trouver l'ancre quelque part. Amen. Amen.
Amen. Je crois que la foi dénominationnelle ne peut jamais sauver quelqu'un. Amen. Amen. La Bible dit, pour éviter effectivement ici, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. C'est-à-dire que dans les Saintes Écritures, tout ce qui devait se passer à son sujet devait être écrit. Amen. Ceux qui devaient croire en lui, quand on croyait comme Nathanaël a eu à pouvoir le réaliser, Nathanaël, d'abord, quand on lui a dit que si Jésus Nazareth, il dit, mais peut-il venir quelque chose devant Nazareth? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été parlé de Bethléem. Où c'est? Dans les Écritures. Et lui, il croyait effectivement les Écritures, que si le Messie devait venir, eh bien c'est de Bethléem. Alors quand il est venu, lorsqu'il s'est approché et qu'il lui a dit, mais voici donc un Israélite, il a réalisé ce signe, c'est le signe selon les Saintes Écritures. Parce que pourquoi Moïse avait dit, le Seigneur notre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, qui voudrait tout ce que vous dites. Comme vous l'avez remarqué, ayant donc continué la marche avec eux, même quand il leur parlait effectivement, il n'avait pas encore réalisé quelle était la personne qui parlait avec eux. Vous vous souvenez? Alors ils sont entrés effectivement dans la bouche. Alors il prit du pain, comme vous l'avez entendu. Quand il a rompu le pain, c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent pour réaliser, mais en fait, c'était bien lui. Là, ils se sont rendus compte que les témoignages des femmes étaient les témoignages vrais. Et qu'en fait, il leur avait manqué quelque chose. C'est pourquoi ils ont dit, mais lorsqu'il nous parlait de cette écriture, notre cœur à nous ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Nous avons manqué de prêter attention à la chose principale. Voilà pourquoi nous étions dans la tristesse, messieurs. Parce que nous n'avons pas consulté les Écritures. Amen. C'est pourquoi, dans l'Écriture suivante, il dit, verset 44. Puis il leur dit, cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Donc, un véritable enfant de Dieu, mon frère et ma soeur, nous l'entendons si souvent, mais c'est parce que le Seigneur veut que vous puissiez réaliser ce qui est nécessaire, malgré que vous l'entendez, la plupart du temps vous ne prêtez pas attention, frère, mais c'est la chose la plus principale. Pourquoi Dieu nous ramène toujours à la parole? Pour que toi, tu puisses prêter attention. Amen. Car Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Amen. C'est pourquoi il dit, mais ne courez pas en course ni à droite. Il y a l'écriture pour vous. Amen. Il fallait que ça commence. Tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Verset 47. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous avez entendu? Il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Est-ce que vous me suivez? Vous avez lu avec moi? Alors l'Écriture, c'est ce qui est écrit. Est-ce que vous suivez? Amen. L'écriture, c'est ce qui est écrit. Mais quand ce n'est pas écrit,
quand ce n'est pas écrit, qu'est-ce que je peux comprendre de quelque chose qui n'est pas écrit? Vous comprenez? Donc, ce qui est important pour toi et moi en tant que disciple, fils de Dieu, c'est l'écriture. Amen. Lorsque Paul partait et qu'il prêchait la parole de Dieu dans différents endroits, il rencontrait beaucoup d'embûches parmi les Juifs, certainement. Mais quand il arriva à Thessalonique, et là aussi, il y avait des Juifs dans une synagogue, effectivement, et il y entra pour aussi prêcher aussi la parole de Dieu. Regardez comme l'Écriture nous fait savoir par rapport avec ce Juif-là, qui était donc à Thessalonique. Regardez. Acte 17. Lisons à partir du verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent effectivement l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour le ramener vers le peuple. Ils ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville, criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Amen. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Mon frère et ma soeur, ceci est quelque chose qui doit être important. En tant que fils et fille de Dieu, ce n'est pas comme des gens qui entendent des répétitions, ainsi de suite. La Bible nous fait savoir que ces hommes-là avaient des sentiments nobles. Il n'y avait pas d'orgueil en eux pour dire que, bon ben, en tout cas, moi, je connais l'homme. Non, c'était simplement la simplicité qui était tout à fait naturelle. Et ils avaient les désirs, effectivement, comme ils connaissaient, effectivement. Vous avez remarqué, ils avaient des sentiments nobles. Et ils faisaient la parole avec beaucoup d'empressement, ce qui n'était pas comme les autres. Et qu'est-ce qui fait effectivement que quand ils entendaient la parole, ils étaient pas dans la joie, mais ils examinaient ce qui leur était prêché. Alléluia. Pour voir si ces choses étaient conformes aux saintes écritures. Pourquoi? Parce que la peur est de croire quelque chose qui n'est pas dans les écritures. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 5, verset 39, je pense, c'est cela. Jean chapitre 5, verset 39, c'est cela. Oui. Il dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous entendez ça? Amen. Je ne sais pas si vous remarquez effectivement la manière de parler du Seigneur. Il dit: vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est vrai. Et lui dit: mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et lui dit: et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils sondaient les Écritures. Ils avaient les Écritures, mais en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas les Écritures. Je vais m'expliquer pour vous, monsieur. Je vous donne un exemple. Vous prenez avec moi, vous n'avez pas envie de me laisser.
Matthieu, chapitre 28. Vous laissez, non? Qu'est-ce que vous lisez? Allez dans toute nation, les disciples de moi, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Et quand vous lisez cette écriture-là, vous, quand vous la lisez, qu'est-ce que vous voyez? Vous lisez l'écriture de Matthieu 28. Quand vous la voyez, qu'est-ce que vous voyez? Et quand un dénominationnel à côté de vous la lit aussi, qu'est-ce qu'il voit dans l'écriture? La même écriture que vous lisez. La même écriture. Quelqu'un d'autre vient aussi la lire avec vous. Vous lisez la même écriture, tous les deux. Et vous avez deux regards différents sur la même écriture. Amen. Vous sonnez les écritures pour avoir la vie que vous pensez, la vie d'un certain nombre. C'est vrai. Et bien, ce sont elles-là qui rendent témoignage de moi. Mais puisque vous le sondez, et rend témoignage de qui? Mais de moi. Pourquoi alors vous ne voulez pas venir à moi? Puisque si vous croyez les Écritures, puisque vous les lisez, vous le croyez, alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas venir à moi? Regardez, frères et sœurs, quand on parle de Malachie, chapitre 4, verset 6, je vais lire avec vous. Malachie 4, verset 6. D'abord, verset 5. Voici, je vous enverrai, et dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, le peuple, je viens de frapper le pays de la terre. N'est-ce pas vrai? Ce qui est écrit ici, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père. Quand vous lisez cette écriture-là, vous référez à qui? Deuxième partie de l'écriture, vous référez à qui? Voilà, n'est-ce pas? C'est le messager pour la seconde venue de Christ, n'est-ce pas vrai? Donc, quand nous lisons cela, nous disons que c'est William Branham. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, non? En fait, frères et sœurs, quand vous dites cela, vous faites de William Branham l'écriture. William Branham n'est pas l'écriture. Jésus-Christ est l'écriture parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mon frère et ma sœur, nous devons réellement réaliser ce que Dieu lui-même est en train de faire, parce que nous sommes appelés à être de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes appelés à avoir la connaissance exacte du choses de Dieu, pas dans le mélange, mon frère. Non, la connaissance juste exacte. L'écriture, c'est la parole de Dieu. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Mon frère et ma soeur, le ministère. C'est absolument important que nous comprenions la manière d'agir de notre Seigneur pour que nous ne puissions pas entrer dans l'exaltation ou l'égarement effectivement de choses. Je vais vite encore passer à quelque chose. Actes chapitre 13, vous vous souvenez? Je vais vous montrer ça. Juste pour que vous puissiez voir. Actes 13.
Après, nous lisons ici au verset 45, je pense. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant, n'est-ce pas? Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le païen. N'est-ce pas vrai? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Vous avez entendu? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusque aux extrémités de la terre. Ces hommes, ils étaient quand même spirituels. Amen. Il a bien dit ici, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Nous l'avons entendu autrefois, n'est-ce pas vrai? Pourquoi il n'a pas dit je vous ai établi, voilà, il dit, mais j'étais établi. C'est en fait Christ lui-même. L'écriture, effectivement, c'est la fête, c'est réfère effectivement à Christ. Vous vous souvenez encore, non? Dans Esaïe 49, si, effectivement, aussi, dans Esaïe 42 aussi, comme cela a été effectivement écrit, effectivement. Donc, ils ont repris l'écriture qui s'est rapportée à Christ lui-même parce qu'il n'était, il n'était pas l'écriture. L'écriture était Christ. Donc, ils étaient donc dans le ministère que Dieu lui avait donné pour se manifester dans ce temps-là. Mais l'écriture, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Donc, la Bible dit effectivement que vous sondez les Écritures. Quand vous sondez les Écritures, mon frère, quand vous le lisez, vous, qu'est-ce que vous voyez? C'est ainsi que vous devez être dans un temps comme celui-ci, frère et soeur. Chaque chose qui doit se passer, pour toi en tant que fils de Dieu, même si des miracles se font, même si tu dois toujours te référer, qu'est-ce que les saintes écritures disent? Amen. Et ce qui est fait ici, pour l'amour de Dieu, ce qui est fait ici est en rapport avec l'écriture. Amen. Donc, si moi j'ai dit, Dieu m'a appelé, je vais être appelé en rapport avec l'écriture, monsieur. Amen. Amen. Quelle est l'écriture qui se réfère à ton ministère? Amen. Parce que si nous avons l'écriture, nous saurons que tu fais les choses selon l'écriture. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Le Seigneur. Il expliquera tout l'écriture ce qui le concerne. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien accomplir si ce n'est quelque chose qui soit conforme à cette écriture. De pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Quand tous ces gens-là vous disent, mais votre songe, votre vision, il faut d'abord qu'on observe si votre prophétie est conforme aux Saintes Écritures. Ça veut dire quoi? Supposons un exemple. Je vais m'arrêter. Un exemple. Une sœur ou un frère se lève ici sur l'onction. Écoutez, il dit ainsi par l'Éternel. Dans 4 jours, juste devant l'entrée ici, un camion va venir. Ce camion va forcer l'entrée, va casser les volets, va faire en sorte que les bâtiments qui en face là, effectivement, vous n'allez pas pouvoir se trouver. Alors, puisque nous voulons savoir si cela est conforme aux Saintes Écritures, expliquez-moi maintenant, en rapport avec l'Écriture, je vais arriver à pouvoir voir si cette prophétie-là est vraie. Parce que, écoutez, il faut que la prophétie soit quand même conforme aux Saintes Écritures. Mais c'est ce qu'on nous dit, non? Est-ce que vous me suivez? Alors, expliquez-moi comment moi, je dois voir en rapport avec la Sainte Écriture pour que je puisse saisir cette prophétie et mon voir. Et la deuxième. Voilà, le prophète a dit, quand vous la recevez comme ça, vous la prenez, vous la mettez en dessous, vous attendez jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Mais la prophétie dit que les gens vont mourir. Vous entendez? Que les camions vont venir pour rentrer, pour ramasser et tuer. Et moi, je prends la prophétie, je dis, bon, j'attends jusqu'à ce que je vois les camions qui rentrent, qui viennent tuer les gens. Je dis, alléluia, gloire à Dieu,
J'avais la prophétie ici, sous la Bible, que tous ceux qui étaient là allaient être écrasés. Donc, ainsi par l'Éternel, la prophétie elle est vraie. Vous faites ma soeur. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement, de la connaissance exacte des choses de Dieu. Oui, monsieur. Nous avons besoin du Dieu vivant, effectivement, au milieu de nous, pour nous conduire dans tout ce frère. La prophétie te dit que le camion va venir pour pouvoir écraser les gens. Et toi, tu dis, je dois attendre, ça c'est accompli, il faut que je vois que c'est un fait de Dieu. Mais Dieu te prévient qu'il faut prendre garde. Qu'il prévient le frère et soeur que ce jour-là, qu'il ne soit pas là. Amen. Non, je dis, non, j'attends que le frère et soeur soient écrasés pour dire, ainsi pas, c'était vrai. Mais ils sont tous partis. Donc Dieu m'a prévenu, moi, pour que je leur dise, attention, sous ce chemin-là, n'y va pas. Amen. Parce que les camions vont prendre la direction, Dieu nous a prévenus. Éloignons-nous, monsieur. Amen. Nous, on doit s'éloigner, monsieur. Amen. Donc pour ça, il faut les discernements. Amen. Ça, il faut Dieu en action. Amen. Ça, il faut Dieu maintenant dans la parole, mon frère. Voilà pourquoi nous avons besoin de rester dans les saintes écritures. Quand on voit maintenant la parole apportée, on dit, mais Seigneur, dans quelle direction on va? On prend les saintes écritures. On comprend maintenant que non, ça c'était l'appel qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu doit être conforme au Saint-Écriture, c'est-à-dire à l'esprit de la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole, peu importe de qui, le cœur se réjouit, mais on doit toujours vérifier dans le Saint-Écriture si ce qui est prêché. Ça semble bon comme du bonbon, mais je vais savoir. Est-ce que cela a un fondement biblique? Amen. Parce qu'on me dit, le prophète a dit, je ne suis pas forcément. Le prophète a dit, effectivement, on souhaite effectivement, mais je veux savoir si ce que le prophète a dit est conforme aux Saintes Écritures. Amen. Vous savez, j'ai reçu une question d'un frère qui m'a écrit, effectivement, de l'Afrique. Alors, il me dit, c'était un pasteur. Il me dit, frère, là, je vais te poser une question, frère, parce qu'il me préoccupe ici dans mon ensemble. Il dit, voilà, dis-moi, frère, parce que le prophète a dit clairement que le mariage entre les blancs et les noirs, c'est en discussion, c'est pas conforme au sein de cette culture, c'est pas, ça ne va pas être long. Un blanc avec un noir ne peuvent pas se marier parce que ça, le prophète m'a dit. Alors, je voudrais te poser la question, toi, mon précieux frère, si savoir. Alors, il me pose une question, finalement, pour forcément, pour changer de métier. Frère, je te pose des questions avec un cœur ouvert. J'attends que tu me dises, effectivement, qu'est-ce qui est biblique et ce qui n'est pas biblique. Mais je dis, le prophète l'a dit, puisque nous l'avons, et tout le monde peut faire à ça. Je dis, mais mon frère, le prophète a dit, c'est sûr, il a dit ce qu'il a dit. Mais le problème, je ne suis pas concerné à ce que le prophète a dit. Je suis concerné dans ce que Dieu dit. Amen. Dans sa parole. Amen. C'était un homme, j'ai dit, mais c'était un homme. Dans le milieu, il était aussi influencé aussi par la pollution aussi. Oui, monsieur, un homme pour tout être humain, certainement. Dieu a fait en sorte que les choses se passent ainsi, parce que sinon on l'amène à la perfection. Non, j'ai dit, ce qu'il a dit est 100% contraire aux Saintes Écritures. Je suis certain. Ce n'est pas fini. Il n'y a aucune écriture ici qui me montre qu'il y a la race blanche, la race noire, la race jaune, la race verte, la race violet, la race mauve. Je ne vois pas. Si vous la trouvez, venez bien me la montrer. Ma foi n'est pas basée sur ce que le prophète a dit. Ma foi est basée sur ce que Dieu a dit dans les Saintes Écritures. Le Seigneur dit effectivement que dans Deutéronome chapitre 13, il dit, je peux permettre qu'un prophète soit effectivement, il dit ceux qui se complètent dans mes prix, je permets quelque chose effectivement pour voir. C'est vous. Vous avez déjà lu cela? Amen. Certains se vont amener quelque part. Vous n'avez pas encore lu cela? Non. Deutéronome 13. Alléluia. Merci. Tout de suite. Amen. Deutéronome 13. Verset 1 dit,
Si se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux et de dieux que tu ne connais point et servons-le », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de l'Égypte, effectivement, et vous a livré de la main de la servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu auras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Donc il dit, il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel. Aimer l'Éternel, c'est sa parole. Amen. Vous sondez les Écritures sur certains. Je lui dis, mon frère, je lui dis, mais dis-moi quand même, c'est dans la Bible, non? Dans Actes, chapitre 17, vous connaissez l'Écriture, non? Vous connaissez tout. Je vais gagner la fin. Moi, c'est Écriture, c'est comme si vous n'avez jamais entendu cela. Actes. Acte chapitre 17. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, et dont le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par de mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis de 300. Non. Tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre et ayant établi la durée des temps et les bornes de la patate, ainsi. Frère et ma soeur, alors tout tirez-vous ceci et cela. Il n'y a qu'un seul être humain. Amen. Alors je lui dis, mais mon frère, c'est 100% antiscripturaire. Il faut revenir à la parole. Et il m'a répondu, mes frères, que Dieu te bénisse parce que je croyais la même chose que tu as dit. Mais j'ai eu un problème. Parce qu'il y avait ceux-là qui n'ont pas cru comme cela, ils sont partis. On dit que s'ils sont partis, ils partent effectivement avec la joie, il n'y a pas de problème. Mais nous gardons les saintes écritures. Oui, monsieur. Mon frère et ma soeur, je n'ai pas le temps, mais vous aurez le livre qui va sortir bientôt mieux pour vous. Et nous devons revenir avoir la foi, pas dans les hommes. Amen. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Tout homme. Amen. Mais Amen. Dieu seul soit reconnu pour vous. Frères et sœurs, vous venez ici parce que vous avez le besoin et le désir profond d'être sauvé. Amen. Votre foi n'est pas basée dans un homme. Non. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Vous avez besoin de que Dieu vous parle. Amen. Que vous soyez vraiment sur la voie juste de Dieu. Amen. Alors, soyez exigeants avec la parole de Dieu. Amen. J'écoute, mais je vérifie. Amen. Est-ce que c'est conforme pour mon âme? Amen. Le temps des sentiments est passé. Amen. Amen. C'est le temps où je dois être exigeant. Alléluia. Ils ont dit à Josué, tu nous as dit ça, Josué, il n'y a pas de problème, nous t'obéirons. Mais veille seulement. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Amen. Comme il a été avec Moïse. Alors nous t'obéirons sans problème. Amen. Le peuple véritable de Dieu est toujours exigeant. Amen. Et il veillait, il écoutait, mais en fait, il vérifiait. Dans les saintes écritures. C'est pourquoi n'embrassez pas ce qui me dit, serviteur de Dieu, alléluia, on l'embrasse. Non, monsieur. Amen. Amen. Hier, je vous ai embrassé, mais maintenant, c'est fini. Amen. C'est vrai, amen. Ah oui. C'est sûr et certain. C'est pas que je vous déteste, mais non. Monsieur, je ne vais pas décoloquer le sauvage. Ce que je veux, parce que je veux être sauvé. Je veux voir mon Seigneur. Je n'ai pas à peine mon temps. Je vais être sûr et certain. Si cela. Ne tremble plus jamais, Amen. Frère, sur ce que le prophète a dit. Ne tremblez jamais, frère. Amen. Non, tremblez quand l'écriture vous est présentée, Amen. Mais avec l'esprit de la pensée de Dieu. Amen. Pas l'esprit du prédicateur, Amen. Mais la pensée de Dieu dans l'écriture. Amen. Alors là, je crois. C'est quand quelqu'un qui veut donner. C'est écrit au nom du Père, c'est de celui-là, monsieur. Mais là, tu n'as pas compris. Mm. Ce
Ce qui est dit là, effectivement, c'est au nom, c'est pas au pluriel, c'est au singulier. Amen. Donc, Père, Fils, c'est sur le titre qui se rapporte à ce nom. C'est-à-dire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Voilà où votre foi doit être fondée. Ma foi. Vous avez dit que. Vous avez dit que la Bible dit Dieu que ce n'est pas des mots. Bon, toi frère, viens, viens assez toi frère. Je t'ai écouté, tu as prêché, mais là j'ai quelque chose à pouvoir te dire, hein, frère, parce que j'ai trouvé que ta prédication n'est pas conforme. Non. Ils avaient des sentiments nobles. Amen. Pas des sentiments de guerre ou quoi que ce soit. Amen. D'humilité. Il dit, mais frère, pardonne-moi. Hein, pardonne-moi, peut-être que j'ai mal compris. Mais ici, tu as dit qu'on est baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais si, quand même, en ayant compris, quand même, en ayant vu l'Écriture, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer aussi là où il est parlé peut-être de Actes 2, 37, 38, vous comprenez? Avec simplicité. Oui. Donc, s'il est un homme de Dieu qui n'avait pas la connaissance, par ton humilité à toi, par ta volonté, vous voyez qu'il sera touché. Amen. Il dit, ah, soeur, pardon, tu dis, ah, mais oui, ah, mais soeur, c'est oui, mais oh, mais je n'avais pas vu ça. Il dit, mon frère, parce que quand tu as parlé, je dis, ah, le frère, il aime, mais c'est peut-être qu'il n'a pas bien vu. Vous comprenez ça? Parce que, non, nous croyons ça, toi tu es un trinitaire. Non, monsieur. Non, frère, pardon, peut-être que tu n'as pas bien vu, mais regarde, la personne va te respecter. Amen. Pourquoi? Parce que d'abord, on sent la nature de Christ en toi. L'humilité, l'amour de la parole. Je veux simplement ce que Dieu veut. Amen. Et alors, continue-moi. S'il n'est pas de Dieu, on verra la différence. Amen. Il va se réveiller. Tu te prends pour qui, toi? En plus, toi et une femme. Quand tu entends ça, il dit, oh, pardon. D'ailleurs, chez moi, les femmes ne s'approchent jamais. Il y a toujours une barrière, une distance. Je ne sais pas par où tu es passé. Quand un homme te parle comme ça, toi vas seulement te mettre à genoux et ne continue plus la discussion. Amen. Mais toi demeure dans la parole. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.